Alléluia. Praise the Lord. Nous avons noté des réconciliations dont Dieu travaille. So, we have been able to make possible reconciliation. It means that God is at work. Il faut que la paix règne dans les familles. Peace must reign in families. Pour que la paix règne dans les familles, for peace to reign in families, il faut identifier toutes les petites crises. We must identify all the little crises et les éliminer. And eradicate them par un bon dialogue, through a true dialogue, par des renoncements significatifs, by through significant denials, par une manifestation pratique de l'amour, through a practical manifestation of love, par une manifestation de la vérité dans la relation, through the manifestation of truth in the relation. Il faut éliminer les égoïsmes. Selfishness must be eliminated. Il faut tuer l'égocentrisme. Self-centeredness must be killed. Il faut apprendre à penser au bonheur de l'autre. You must learn to think about the happiness of the other. La paix va régner. Peace must reign. L'évangile va progresser. And the gospel will move forward. Une telle famille constitue un sanctuaire. Such a family is a sanctuary. Un lieu où Dieu est adoré en esprit et en vérité. A place where God is worshipped in spirit and in truth. Où les voies de Dieu sont enseignées. Where the ways of God are taught. En parole et en pratique. And the word is put into practice. Ce soir, tonight, nous allons regarder le conseil de Dieu. We are going to look in the advice of God. Pour sortir des crises, pour éliminer les crises. To get out of crises, to eliminate crises. Et s'il y a encore le temps, nous allons finir par les attitudes à éviter quand on est en train de dialoguer. And if we still have time, we will conclude by the attitude that should be eliminated when there is a dialogue. Nous allons parler d'abord de la sagesse d'en haut. We will first talk about the wisdom from above. La sagesse qui vient de Dieu. The wisdom that stems from God. La sagesse qui peut nous permettre the wisdom that de can résoudre allow us, toutes les petites crises. The wisdom that can allow us to solve all the little crises. La sagesse que Dieu a recommandée à son peuple pour résoudre les crises. The wisdom that God recommended his people in order to solve the crises. Lis pour nous Jacques chapitre 3 verset 13 à 18. Read for us James chapter 3 reading from verse 13 to 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now, the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Quand il y a une situation de crise, when there is a situation of crisis, supposons que les choses ont même évolué jusqu'au conflit. Let's suppose that things have even evolved up to a conflict. Peut-être même qu'après, avec négligence, nous sommes déjà à l'état de guerre. And maybe we are at the state of war because of negligence. L'état de guerre est caractérisé par la violence physique et la violence verbale. At this level, you use physical and even verbal violence. Même quand c'est déjà à ce niveau-là. Even if it is already at this level, quand on veut résoudre le problème selon l'Esprit de Dieu, when we want to solve the problem according to the Spirit of God, il y a des qualités, there are qualities que chaque personne concernée par ce conflit, par cette crise, doit témoigner, doit manifester. That each person that is concerned by this crisis must show. Hallelujah. Praise the Lord. Écoutez la question que le Seigneur pose. Listen to the question that is asked here by the Lord. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Who is wise and understanding among you? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Let him show by good conduct that his works and are done in the meekness of wisdom. Dans la sagesse, il y a la prudence. In wisdom, there is the fact of being prudent. Dans la sagesse, il y a la modération. There is moderation in wisdom. Dans la sagesse, il y a la vigilance. In wisdom, there is vigilance. Quand on dit que quelqu'un se comporte avec sagesse, when we say that someone behaves with wisdom, c'est qu'il discerne. That is, he discerns. Il analyse. He analyzes. Il est prudent. And he's prudent. Il est tempérant. Il est modéré. He's moderated. Ça, c'est les attitudes de sagesse. These are the attitudes of someone who is wise. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il évite d'être radical. He avoids being radical. Il se méfie des ultimatums. He doesn't give ultimatums. Et la parole dit, and the word says, parmi vous deux, between both, que le sage, let the one that is wise, montre des œuvres intelligentes, show things, works that are intelligent. Que le sage prouve donc qu'il veut la paix. Let the one that is wise shows that he wants peace. Vous voyez comment Dieu travaille? You see how God works. Si tu trouves deux personnes, if you find two people qui sont en conflit, who are in conflict, identifie le plus sage. Identify the one that is the wisest. Et demande-lui de payer tout le prix. And ask him to pay all the price. Naturellement, il va penser que tu ne l'aimes pas. Naturally speaking, he may think that you don't love him. Mais c'est la solution de Dieu. But it is the solution of God. Si nous étudions même notre relation avec Dieu, even if we study our relation with God, c'est Dieu qui vient vers nous.
It is God who comes toward us. Quand Adam a péché, il a fui, il s'est caché. Dieu est parti le chercher. When Adam sinned, he fled and hid himself, and God went to seek him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a une douceur. There is a meekness qui vient de la sagesse. That stems from wisdom. Quand on apprend une attitude, when you learn an attitude, quand on exerce son esprit à connaître une transformation, when you exercise your spirit to, in order to experience, I mean to know a transformation, pour produire un caractère qu'on n'a pas, in order to produce a character that you don't possess, ça c'est un travail de la sagesse. This is a work of wisdom. C'est un apprentissage. It is a learning. C'est pour cette raison que Paul disait que j'ai appris. That's why Paul said that I learned. À être content de l'état dans lequel je me trouve. To be content in the condition in which I find myself. Vous savez, il y a des vertus comme le courage, la sagesse. C'est, on apprend. You know, there are some virtues like courage and wisdom. We learn them. Quelqu'un peut être faible, craintif. Someone can be weak and fearful. Et le Seigneur lui dit, fortifie-toi. And the Lord tells him, strengthen yourself. Le Seigneur ne dit pas, je te fortifie. The Lord does not say, I strengthen you. Il lui dit, fortifie-toi. He said, be strong. Donc, il s'exerce. So he exercises himself. Il dit, non, je ne crains plus, c'est fini. Il s'exerce. He said, no, I won't do this anymore, it's finished. Ça peut durer 5 minutes d'abord, après il rechute. Après, il s'exerce encore. It can last 5 minutes and then he falls and then he gets up and he exerts himself. Après, il devient courageux, endurant, vaillant. And after he becomes courageous and enduring, mighty. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Tu peux décider. You can decide. Que le sage dont on recherche là, je veux le produire. That the wisdom that is we are seeking, I want to produce it. Ne sois pas celui-là qui dit comme on cherche le sage là, ça doit être l'autre. Do not be the one who says as we are seeking the one who is wise, it should be the other one. Que moi je suis faible. And that because I am weak. Dès que tu es conscient, as soon as you are aware, que dans cet état, that in this condition, dans cette situation, in this situation, on veut un sage. We want someone who is wise. Dis à Jésus, me voici. Tell Jesus, here I am. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même le Seigneur Jésus. Even the Lord Jesus. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il dit à son père. He told his father. Tu n'as pas accepté les sacrifices. You didn't accept any sacrifice. Tu n'as pas accepté les offrandes. You didn't accept any offering. J'ai dit. I say. Je m'en vais. I'm going. Je m'en vais faire ta volonté. I'm going to do your will. Il s'est offert. He offered himself. Parce qu'il fallait un puissant. Because il fallait quelqu'un qui est puissant. We needed someone who is mighty. Quelqu'un qui est saint. Someone who is holy. Innocent. And qui pouvait, innocent, qui pouvait mourir pour les hommes. Who could die for the other for people? Où est cet homme là? Where is that man? Sur la terre. On the earth. Il y avait personne. No one. Alors le sage des sages s'est levé. So the wise of the wise is. Et je m'en vais. Got up. I'm going. Oh Dieu. Oh Lord. Faire ta volonté. Do your will. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. In the book, it is about me. Le sage là, frère, la révélation de ce soir. The revelation of tonight. Le sage là. The wise man. Tu peux le devenir. You can become it. Et l'affaire est réglée. And peace can reign. Et ton nom. And your name. Sera enregistré dans les annales de Dieu. Will be registered in the books of God. Comme celui qui a payé le prix. As the one who paid the price. Pour que la paix règne. For peace to reign. Et vous connaissez toutes les grâces qui accompagnent cette obéissance. And you know all the favors that accompany this obedience. Heureux ceux qui procurent la paix. Blessed are those who bring peace. Ils seront appelés fils de Dieu.
Blessed are the peacemakers, they will be called sons of God. Tous ceux qui entretiennent le désordre. All those who sustain disorder consciemment, being aware of it, sont fils du diable. Consciously, they are sons of the devil. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La Bible dit, autant que cela dépend de vous. The Bible says, as long as this depends on soyez you. Soyez en paix avec tous les hommes. Be in peace with all men. On ne force pas. We don't force. Autant que cela est possible. As long as it is possible. Même avec les païens. Even with unbelievers. Il faut rechercher la paix. You must seek peace. Il peut arriver que tu sois devant quelqu'un qui est fils du diable. It can happen that you stand before someone who is the son of a devil. Qui ne veut aucune paix. Who wants no peace. Qui est d'un orgueil luciférien. Whose pride is like the one of Lucifer. Qu'est-ce que la parole dit? What does the word say? Paul a dit à Timothée. Paul told Timothy. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alexander the goldsmith did a lot of harm to me. Il a dit, garde-toi aussi de lui. He said, you must refrain from him too. Si tu es devant quelqu'un qui est déterminé à faire la guerre, n'alimente pas ça. Garde-toi de lui. Ça n'a rien à voir avec les rancunes, rien. If you stand before someone who doesn't want peace, he just wants to make war, you must pay attention to this person. He does not have anything to do with grudge in your heart. C'est pour cette raison que la Bible dit autant que cela dépend de toi. That's why the Bible says as long as it depends on you. Quand tu as fini ta part et que l'autre dit moi je suis Satan, tu le laisses, tu l'évites. When you have finished your portion and then the other one says I am Satan, you avoid him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et voici les caractéristiques de la sagesse qui vient de Dieu. Here are the characteristics of the wisdom that stems from God. La sagesse de Dieu est pure. The wisdom that is from God is pure. La parole de la sagesse qui vient de Dieu recherche la paix. Elle est pacifique. It is peaceable. Elle évite les extrêmes. Elle est modérée. It is moderated. Elle est tolérante. It is tolerant. Elle est conciliante. It is self-seeking. Elle est pleine de miséricorde. It is full of mercy. Elle est pleine de bons fruits. It is full of good fruits. Elle est exempte de duplicité. It is without partiality. Elle est sans incrédulité. It is without unbelief. Sans hypocrisie. Without hypocrisy. Vous notez ceci. Note this. La personne qui veut faire prospérer son foyer, the one that wants his household to prosper, doit apprendre à faire toutes choses avec patience, car le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Must learn to do all things with patience because the fruit of righteousness is sown in patience with those ones who makes peace. La personne qui veut faire prospérer son foyer doit apprendre, the one that wants to make his household prosper, à faire toutes choses avec patience. Must learn to do all things with patience. Car il est écrit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Because it is written, the fruit of righteousness is sown in peace by those who seek peace.
Vous notez ceci. You note this. Dans une situation de crise ou de conflit, in a situation of crisis or conflict, le Seigneur demande à celui qui fait preuve de perspicacité morale et intellectuelle de montrer, de le montrer par la douceur. The Lord will requires the one who shows that he was morally and intellectually right to show it through gentleness. La sagesse ne se mesure pas par des grades, mais par des œuvres. Wisdom is not measured through ranks, but through works. Je reprends. Dans une situation de crise ou de conflit, in a situation of crisis or conflict, le Seigneur demande, the Lord requires, à celui qui fait preuve de perspicacité, to the one who shows that is upright, de perspicacité morale et intellectuelle, de le démontrer par la douceur. That the one who is upright morally and intellectually, the Lord requires that person to show this through his gentleness. La sagesse ne se mesure pas par des grades. Wisdom is not measured through ranks. Mais par des œuvres. But through works. Les œuvres de bonne conduite. The work of good conduct. Alléluia. Praise the Lord. Des œuvres de sagesse. Works de douceur. Of wisdom and meekness. La bonne conduite est la manifestation de la sagesse d'en haut. Good conduct is the manifestation of the wisdom from above. Les hommes et les femmes sages sont humbles et doux. Men and women who are wise are humble and gentle. La vraie sagesse, la sagesse qui vient de Dieu, the true wisdom, that is the one that is from God, et qui peut donner un sens à nos relations, and that can give a sense, a meaning to our relation, une vie, c'est-à-dire qui peut donner la vie à notre mariage, and that can give life to our marriage, ne laisse aucune place à la jalousie, leaves no room to jealousy, ni à l'esprit de dispute, nor to the spirit of dispute. Parce qu'il est dit que là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, c'est-à-dire là où il y a la jalousie et un esprit de dispute, il y a toutes sortes de désordres et de mauvaises actions. Because it is said that where there is jealousy, there exists any kind of evil actions. Quand j'étais encore en fonction, when I was still a civil servant, j'avais reçu qu'il fallait que je rende ministère à un foyer, à un couple, entre midi et deux. I received in my mind that I was to go to minister to a couple. Et je suis allé. And I went there. J'ai bombardé l'exhortation. I bombarded the encouragement. Et j'ai lu ce passage. And I read this passage. Et le mari me dit, and the husband told me, c'est vrai frère. It is true brother. L'autre jour, the other day, j'avais attaché une serviette parce que je voulais me laver. I put a towel around my waist because I wanted to go. Il y a des gens qui m'attachaient les serviettes. There are people who used to bind the towel around their. Il me dit, la querelle a commencé. La dispute a commencé. He said, quarrel started there. Devant les enfants. Before the children. Et la serviette est tombée. and the towel fell. C'est marrant. Vous voyez? You see? Toutes sortes de désordres et de mauvaises actions. Any kind of disorder and evil actions. Il ne pouvait pas imaginer que ça pouvait arriver.
He could not imagine that this could happen. Là où il y a la jalousie, where there is jealousy, et les disputes, and disputes, il y a le désordre. There is disorder. Et il y a toutes sortes de mauvaises actions. And any kind of evil actions. On insulte. We insult. On s'en fout. We don't care. Donc il n'y a pas de place à la jalousie. Il n'y a pas de place à l'esprit de dispute. Il n'y a pas de place à l'esprit de rivalité. So there is no room for jealousy, for dispute and the spirit of vanity. Toutes ces choses aggravent, d'abord provoquent et aggravent les troubles. All these things provoke troubles and aggravate them. La haine et les querelles, elles disent que la sagesse qui nous anime ne vient pas de Dieu. Hatred and quarrels show that the wisdom that we have is not of God. C'est une sagesse terrestre. It is an earthly wisdom. C'est une sagesse charnelle. It is a carnal wisdom. Alléluia. Praise the Lord. C'est une sagesse diabolique. It is a demonic wisdom. C'est une sagesse démoniaque. It is a demonic wisdom. C'est-à-dire une sagesse qui est inspirée par la pensée des démons. That is a wisdom that is inspired by the thoughts of demons. La pensée du diable anime tous ceux qui sont détachés de Christ. The thought of the devil works in all those who are separated from Christ. Lis pour nous Ephésiens chapitre 2 verset 1 à 3. Read for us Ephesians chapter 2, reading from verse 1 to 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Amen. Alléluia. Et le frère Jacques nous a rendu un témoignage un jour. Il dit que Brother Zach once gave us a testimony. Un couple était toujours en conflit. He said that a couple was always in conflict. Mari et femme. Husband and wife. C'était très difficile. It was very difficult. Après, il a constaté que la paix régnait déjà. Il y avait la joie dans la maison. La femme était enthousiaste. And after you realize that peace reigned in the house, the wife was joyful and enthusiastic. Il a demandé à la sœur comment ça va maintenant. Elle a dit ça va très, très bien frère, très bien. He asked the sister how are things going on now. She said that things are well, very very well. Et le mari a dit frère Zach, la vérité c'est que j'ai décidé de mourir. And the husband said, Brother Zach, the truth is that I decided to die. Alléluia. Praise the Lord. Que la joie que tu vois là, the joy that you see, cette vie que tu as constatée, that life that you have seen, est le fruit de ma mort. Is the fruit of my death.
Acclamons pour ce frère-là. Let us clap for this brother. Hallelujah. Praise the Lord. Il est vaillant. He's mighty. Son nom sera parmi les héros. His name will be among the heroes. Tu peux procurer la paix. You can procure peace. Tu meurs. You die. C'est fini. It's finished. La joie remplit la joie envahit la famille. Joy invades the family. Voyons maintenant le dialogue. Let us talk about dialogue. Nous avons intitulé ça la communication, mais on ne peut pas parler de la communication ici. We entitled it communication, but we cannot talk about communication here. En tant qu'une science. As a science. Mais nous allons prendre un de ces éléments clés. But we are going to take one of its keys points. Très utile pour une relation sociale, même professionnelle. Very useful for a social or an even professional relation conjugale. Relation and even même les relations spirituelles. Even relations in the household and spiritual relations. Un dialogue est une conversation entre deux personnes. It's a conversation between two people. Un dialogue est une conversation entre deux personnes. A dialogue is a conversation between two people. Le dialogue suppose l'échange, l'écoute. Dialogue supposes the exchange and listening to. La compréhension, the understanding, et la réciprocité, and reciprocity. Je parle, I speak, tu parles, and you speak. Je t'écoute, I listen to you, tu m'écoutes, and you listen to me. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je te comprends, I understand you, tu me comprends, and you understand me. Il ne faut pas que moi je fais l'effort pour te comprendre. It must not be that I make the effort to understand you. Et toi tu ne fais aucun effort pour me comprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ce soit réciproque. And you do not make any effort to understand me. That's why we said that it is between two people. Il y a un dialogue. There is a dialogue. Toi tu parles du début. Tu parles. You speak and speak and speak and speak. Comme si l'autre était un petit élève. As if the other one is a little student. Tu as déjà tout gâté. We have spoiled everything. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison qu'il y a dans certains foyers des gens qui ne parlent plus pendant des jours, voire des semaines. That's why in some households, some people do not speak during days and even weeks. Et beaucoup dialogue mais sans résultat. Many go through dialogues but without any result. Dans les sciences de la communication, quand tu n'as pas le résultat à ta communication, c'est que tu as échoué. In the science of communications, if there is no result to your communication, it means that you have failed. Vous notez ceci. Note this. Les gestes, gestures, les mimiques, mimes, le silence, quietness,
La position corporelle. Body position. L'habillement. Dressing. Le regard. The look. Sont des actes de communication. Are acts of communication. Car ils véhiculent une signification. For they bear a meaning. Ils témoignent de la nature du lien social existant ou souhaité. It shows the nature of the social link that exists or that is wished. Même quand tu es à la maison, even when you are at home, les habits que tu portes, the clothes that you put on, sont un langage, are a language pour ton frère, to your brother, ou ta sœur, or your sister, ou pour ton épouse, or your wife, ou pour ton époux, or your husband. Les positions, your position, tes regards, your looks, peuvent dénoter le mépris, can denote despise, ou bien l'inattention, or lack of attention, qui montre que tu ne prends pas ce que l'autre dit au sérieux, which shows that you don't take into account what the other one says. Tout ce que tu fais porte une signification, même quand tu n'as pas dit un mot. Whatever you do bear a meaning, even though you have not uttered a word. Tu entendras quelqu'un dire, je te parle, tu dors. You hear someone saying, I'm speaking to you and you are sleeping. Parce qu'il se dit que si c'était sérieux, tu ne devais pas dormir. Because he tells himself that if it was earnest, you wouldn't sleep. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ou bien quelqu'un te parle, tu chantes. Or someone is speaking to you and you sing. Tout est porteur d'une signification. All these bear a meaning. Dans le dialogue, in the dialogue, on parle tout en écoutant. We speak while listening. C'est-à-dire tout en restant à l'écoute. That is, you remain attentive. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles. That is, you speak en observant l'autre, comment il réagit à ce que tu dis. While observing the other, how he reacts to what you say. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, on parle tout en restant à l'écoute de l'autre. We speak while listening to the other. On prend en compte ses réactions. We take into account his reactions. Ses réactions verbales ou non verbales. His verbal or non-verbal reactions. Ses centres d'intérêt. His centers of interest. Cherche à savoir qu'est-ce qui est important pour celui qui est devant toi. You must seek to know what is important to the one who is standing before you. Beaucoup ne voient que leur centre d'intérêt. Many only focus. Mais ils ne voient pas pour l'autre. On their interest, but they don't see the others. Pour un bon dialogue, for a good dialogue, tiens compte de ce qu'ils visent aussi, ce qu'ils veulent gagner. You must take into account what the other one targets, what he wants to win. Ce qui lui coûte cher. What is costly ne to him. Ne banalise pas. Ne banalise pas cela. Do not banalize. Si tu dis mais ça c'est quoi? Ce n'est rien. If you say what is this? This is nothing. L'autre va dire ah bon? You say okay. Ce n'est rien pour toi. It's nothing for you. Okay, c'est fini. Okay, it's finished. Je m'en vais. I'm going. Tu dis assieds-toi, on va pas. You say stay here. We speak. Say no. C'est fini. It's finished. Et les problèmes continuent. And problems continues. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même s'il ne te dit pas son centre d'intérêt, identifie ça. Quand il parle, il faut que tu te dises que, ah, je comprends. Even if he does not
reveal to you his interest, but you can identify it while speaking with him. Il faut que tu prennes en compte ses questions. You must take into account his questions. Ne dis pas ça, c'est quelle question encore que tu poses là. Do not say that, what is this question again that you are asking? Si ce n'était pas un problème, if it was not a problem, il n'allait pas poser ça comme question. He wouldn't have asked this as a question. On parle de dialogue de sourds lorsque votre interlocuteur et vous-même, vous ne vous entendez pas, vous ne vous comprenez pas. We talk about a dialogue of deaf when you and the one you are speaking with, you don't understand each other. Lorsque vous ne vous comprenez pas, when you don't understand each other, lorsque vous ne tenez pas compte de vos raisons réciproques, when you don't take into account the reasons of one another. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous allons noter certaines attitudes qu'il faut éviter. We are going to note some attitudes that you must avoid. Vous notez que l'attitude est un état mental. Note that attitude is a mental state. L'attitude est un état mental. Attitude is a mental state. Pour ceux qui veulent faire des recherches, vous notez que c'est un état mental neurophysiologique. For those who want to make researches, you know that it is a mental state, neurophysiological. C'est-à-dire, that is, il y a des mots peuvent créer une réaction. There are words that can create a reaction. Il y a des rapports avec le système nerveux. There is a relation with the nervous system. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous voyez, dans la Bible, on a annoncé le décès des fils d'Élie, la belle fille a accouché. C'est-à-dire, la nouvelle a provoqué des contractions, l'enfant est sorti. You see, when the news were given, that lady, that is the sister, the son, daughter-in-law of Eli, she gave birth. As soon as she got the news, she gave birth. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On va vite parce que ce qui est pratique est en train d'arriver. We are speeding up because that which is practical is coming. Vous notez l'attitude d'interprétation. Note number one, the attitude of interpretation. Notez ça correctement, sans erreur. Note this correctly, without any mistake. L'attitude d'interprétation consiste à formuler. This attitude consists in formulating. C'est-à-dire à dire à l'autre. That is to tell the other. Les raisons cachées qui sous-tendent ce qu'il vient de dire. The hidden reasons that understand what he has just said. Donc, tu dis à l'autre ce qu'il vient de dire. You tell the other one what he has just said. Ou ce qu'il vient de faire. Or what he has just done. L'enjeu ici, the point here, c'est que la personne qui s'érige en interprète is that a person who becomes an interpreter crée une hiérarchie. C'est-à-dire, il se nomme et il s'élève sur la relation. He creates an hierarchy, that is, he rises up on the relations. Il se pose en détenteur d'un supposé savoir. He just want to show that he knows. Si j'ai
une conversation avec mon frère. If I have a conversation with my brother. Il dit, je voulais qu'on se voit. He said, I want us to meet. Il parle, oh, he speak and speak. Je comprends. I say, okay, I understand. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire là, moi j'ai vécu ça, et tu commences à lui interpréter ça. That is, you say, what you have just said, I myself have experienced it, and you try to explain this to him. Il y aura trois conséquences. There will be three consequences. La première conséquence. The first consequence. Face à la relation de dépendance. Before this relation of dependency. L'autre peut réagir par un refus. The other one can react by a refusal. Cette réaction s'appelle contre-indépendance. This reaction is counter dependency. On a sa réaction quand toi tu veux causer avec quelqu'un qui t'a fait tu estimes qu'il t'a fait du mal. You want to du coup il veut jouer le rôle de quelqu'un qui sait expliquer ce que toi tu viens de dire. Finalement tu dis non, c'est bon, c'est bon. You see, you want to speak with someone who has done harm to you and you want to show that you already know what he has just explained. And on the spot, he will tell you, it's okay, because you want to show that you know what he has explained. L'autre devient agressif pour se dégager de cette hiérarchie que tu viens de créer. And the other one becomes aggressive in order to get rid of this hierarchy that you have created. Il peut dire, non, tu ne m'as pas compris, non, c'est pas ça. He can say, no, you didn't understand me, it's not this. Donc, vous êtes bloqué. So you are blocked. Deuxième conséquence. Second consequence. L'attitude d'interprétation est le blocage de l'expression de l'autre. The attitude of interpretation is the blockage of the expression of the other. L'autre veut t'expliquer ce qu'il ressent. Toi, tu interprètes ça. Donc, tu l'empêches de parler. The other one wants to explain you what he feels and you interpret it. Tu l'empêches de parler. You prevent him from speaking. Donc, l'interprétation peut être fausse. Et bloquer l'autre interlocuteur qui peut estimer qu'il n'est pas nécessaire de continuer l'entretien. So the interpretation can be false and block the other speaker and who can think that it's not necessary to continue to speak. Et ça arrive toujours. And this always happens. Quelqu'un te pose le problème. Someone comes and tell you his tu problem. Tu commences à reformuler ça. And you start reformulating it. Que non, c'est pas ce qu'il a dit. And he said, no, this is not what I said. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. That's not what I said. Du coup, on the spot, il ne peut plus continuer. He can no more continue. Vous êtes bloqué. You are blocked. Troisième conséquence. Third consequence. Il y a la manipulation du discours de l'autre. There is the manipulation of the discourse of the other. Car l'interprétation peut être une orientation pure et simple, une canalisation pure et simple du discours de l'autre. For the interpretation can be an orientation of the discourse of the other. L'autre peut discerner. The other one can discern que en reformulant ses propos. That by reformulating his words, tu les manipules, c'est-à-dire que tu les transformes à ton avantage. You manipulate them, that is, you transform them to your advantage. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si vraiment vous recherchez la paix, il faut pas faire la manipulation. If you really seek peace, do not manipulate. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? En règle générale, vous notez ceci. Generally speaking, note this. On retient que plus on cherche à permettre à l'autre de s'exprimer authentiquement, So generally speaking, the more we let us retain that. The more we let the other express himself genuinely, moins on
on doit l'interpréter. The less we should interpret it. Vous notez que plus j'interprète, you know that the more I interpret, moins je permets à l'autre de s'exprimer réellement, personnellement et profondément. The less I allow the other one to express himself truly, personally and deeply. Et selon mon expérience, according to my experience, une bonne conversation effectue même la guérison intérieure. A good conversation can lead to inner healing. Quand vous ne parlez pas depuis 3 mois, when you don't speak since 3 months, et que l'autre commence à te dire pourquoi il est fâché, and that the other one start telling you why he is angry, à qui il a la liberté de tout dire, and that he is free to tell you all, et que tes oreilles entendent, and that your ears hear, le mal que tu lui as fait, the evil, le mal supposé, the evil that is supposed to be done to him, il commence à guérir seul. He start healing, getting J'ai healed. J'ai écouté une sœur pendant 1h45. I listened to a sister. Elle avait rétrogradé. Along 1 hour and 45 minutes, she backslided. Et on m'avait dit que la sœur a rétrogradé. So I was told that she backslided. Je suis allé pour l'écouter. I went to listen to her. J'ai bien regardé la montre. I look at the watch. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, she elle spoke, a parlé, elle a parlé, spoke, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, spoke, elle a expliqué ses frustrations, les questions qu'elle avait eu à poser au frère. Frustration, the question she asked to the brethren. Après, elle a dit, toi tu m'écoutes. After she said, tu m'écoutes. Et ils ne m'écoutent pas. You listen to me, but they don't listen to me. Non, il me dit, il faut partir, je ne veux plus rétrograder. And she said, go, I will not backslide anymore. Alléluia. Praise the Lord. Il faut partir. Go. Je ne rétrograde plus. I won't backslide anymore. Donc elle fut guérie. So she was healed. Donc il ne faut pas empêcher l'autre de parler personnellement, profondément. Ne parle pas pour lui. Je te comprends. J'ai compris. Voici maintenant ce qu'on va faire. Non, laisse-la. Laisse-le. Do not let the other one. Do not prevent the other one from expressing himself. Let him speak deeply, personally. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'attitude d'évaluation. The attitude of evaluation. L'évaluation consiste à formuler un jugement. Evaluation consists in formulating a judgment. Un jugement positif ou négatif. A judgment that is positive or negative. Le jugement de ce que l'autre vient de dire. The judgment of what the other one has just said. Elle crée les mêmes blocages que l'interprétation. It creates the same blockage as interpretations. Quelqu'un vient de t'expliquer que quand tu es arrivé l'autre jour, someone has just explained to you that when you came the other day, j'étais salué, tu n'as pas répondu. I greeted you, but you didn't answer. Tu dis que toi, tu soulèves toujours les faux problèmes. And donc, say, tu as évalué, tu as pesé, tu dis c'est faux, and c'est you un say, faux problème. And you say that you always raise false problems, dis, and ah you bon. Have evaluated. Ah bon, donc moi je suis faux. You say okay, so I am false. Okay, d'accord, c'est okay, fini. It's finished, it's okay. On ferme la bouche encore pour 3 mois. We close the mouth for 3 more months. Toi, tu es qui pour évaluer les propos de l'autre? Who are you to evaluate? Il faut l'écouter. The words of the other one. You must listen to him. Parce que les gens que vous voyez là, frère. Because the people you see, ils sont un discours. Chaque homme est un discours. Each man is a discourse. He speaks. Sa tête là.
peut pondre les livres. Les livres. Your head, si on met une machine pour imprimer seulement. Your head can produce books if we have a machine to print them. Chaque œil produit des livres. Each eye produces books. Le cœur alors, ça doit être que les livres sortent de la tête, ça sort des yeux, so ça the sort books du cœur. Originate from your head, from your eyes, your heart. Et lui aussi t'évalue. And he also evaluates you. C'est pour ça qu'il va rejeter ton jugement. That's why he will reject your judgment. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le frère disait que certaines personnes peuvent faire ces choses-là et se coucher de telle sorte qu'ils ne peuvent plus se toucher. The brother was saying that some people can do those things and lie on the same bed in such a way that they cannot touch one another. Et il disait que quelqu'un peut même dire, oh Seigneur, que sa main bouge et me touche. And, dit, tu n'as plus le courage même de toucher l'autre. Tu and, te dis, il faut qu'un accident se produise là. So, you no more have any courage to touch the other one and you are just praying that the other one can move his hand and touch you. Un petit bruit, hein? Il dit non, ce n'est pas toi. A little noise. He said, what? He said, no, it's not you. On peut arriver là inutilement. We can get there uselessly. En règle générale, in general rule, plus j'évalue quelqu'un, the more you evaluate someone, que ce soit positivement ou négativement, whether it is positively or negatively, moins je lui laisse la possibilité de s'exprimer. The less I let him the opportunity to express himself, de s'exprimer d'une façon, d'une manière authentique, to express himself in a genuine way. Plus je veux que l'autre s'exprime, the more I want the other to express himself, moins je l'évalue. The less I evaluate him. Pourquoi moins je l'évalue? Why should I evaluate him less? On ne peut pas dire que on n'évaluera personne. Non. We cannot say that we will not evaluate anyone. No. Il faut le faire avec mesure. You must do it with measure. Parce qu'en fait, la conversation doit être un exercice de vérité. Because the conversation must be an exercise of truth. Ne dis pas qu'on a dit de dialoguer. Tu es méchant, tu dis oui, je suis méchant. Do not say that. J'accepte. They say that we should dialogue and then you say you are wicked. You say yes. Pardonne-moi tout ça. I accept and forgive me all these. La personne saura que tu n'es pas sincère. The person will know that you are not sincere. Et les conclusions de votre entretien ne vont porter aucun fruit. And the conclusions of your exchange will bear no fruit. La personne doit sentir que tu as un centre d'intérêt aussi. The person must realize that you also have some interest. Et qu'elle a son centre d'intérêt. And that he also has his interest. Et que vous évaluez par rapport à ces deux centres d'intérêt. And that you are evaluating each other regarding those interests. Je veux qu'on prenne un crédit pour construire une maison. I want us to take a credit to build a house. Je veux qu'on prenne un crédit pour l'enterrement de notre grand-père. I want us to take a credit for the burial of our grandfather. C'est la conversation bien menée qui peut faire qu'un centre d'intérêt soit éliminé. Donc, il ne faut pas perdre le temps sur les jugements des paroles. Il ne fallait pas dire nous, il fallait dire je. Pourquoi tu dis nous? Tu veux que je dise quoi alors? It is a well, et puis ça reste là longtemps. It is a well done conversation that can bring you to eliminate one. So the conversation must be well done. Est-ce que tu sais que si nous prenons le crédit pour l'enterrement, c'est un gaspillage? Do you know that if we take the credit for the burial, it is a waste? D'après toi, according to qu'est-ce you, qui est prioritaire? What is a priority? Qu'est-ce qui dépend de nous deux seulement?
what depends on both of us only. La maison. The house. Bon, qu'est-ce qu'on fait? So what do we do? Elle explique. Tu entendras que bon, c'est bon, Suisse. Tu as raison. You will hear that, okay, it is good, you're right. Et la crise est finie. And the crisis is finished. Un bon dialogue. A good dialogue. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça peut prendre 2 jours. It can take 2 days. Les autres pensent qu'ils ont raison. Ils disent, ici, ça ne se fera pas. The others think that they are right. They say this will not be done here. La femme dit, ça va se faire. The wife said, it will be done. Tu dis, on va voir. And you say, okay, we shall see. La guerre a commencé. The war has started. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. L'attitude d'aide ou de conseil. The attitude of help or advice. Ici, here, on propose à l'autre. We propose the other, compte tenu de ce qu'il a exprimé des solutions, according to what he has said, some solutions, ou des éléments de solution, or some points of solution. Quelqu'un vient de s'exprimer. Somebody has just expressed himself. Du coup, tu lui dis, bon, voici ce qu'on doit faire. Voici ce qu'on doit faire. On the spot, you tell him, okay, this is what we are going to do. This is what we are going to do. Cette attitude crée des blocages. This attitude also creates blockages. Car elle propose des solutions et l'aide à l'autre en banalisant le problème qu'il pose. Because it proposes solution and help to the others by banalizing what the problem that the person poses. En montrant qu'il n'a pas à s'inquiéter. Showing that he does not need to worry. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Elle crée une relation conseiller et conseiller. It creates a relation of advisor and advised. C'est une relation de dépendance. It's a relation of dependency. Dans le dialogue pour résoudre des crises, in des dialogue, conflits, les gens n'aiment pas les relations de dépendance. In a dialogue to resolve crises, people do not like dependency. Quand les gens sont déjà dans une situation de crise, when people are already in a situation of crisis, c'est que chacun est déjà très conscient de son identité. That is, each one is already conscious of his identity. Et par conséquent, très vigilant. Therefore, very vigilant. Il surveille. He watches. Si on cherche à l'assujettir. If you try to subject him. Il rejette les flatteries. Tu es mon ami. Tu sais que depuis l'enfant, on marche ensemble. Quand je te vois, je me souviens. He rejects flattering. Il sait que ça, ce sont les flatteries. He knows that it is flatterers. C'est pour ça que dans des pareilles conversations, il faut garder tes sentiments en toi-même. That's why in such situation, you must keep your feelings to yourself. Je t'aime beaucoup, tu sais, je ne peux I pas love te you, Lord. You know, ce n'est pas ça, il faut dialoguer. You must dialogue. This is not it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand il n'y a pas de crise, tu peux faire la manipulation sentimentale. Mais quand il y a déjà la crise, tout énerve. When there is no crisis, you can go through sentimental manipulation. But if there's no crisis, everything that you hear gets you on your nerves. Et là, il n'y a que la justice, la vérité qui résolve le problème. And there is only truth, justice, and that can resolve
the problem. C'est pour cette raison que la sagesse d'Aoi est premièrement pure, exempte d'hypocrisie, exempte de duplicité. Parce que dans un conflit, si tu ajoutes la duplicité, tu as tout gâté. Because in a conflict, if you add trickery, then you have spoiled everything. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Une femme qui se plaint que quand il y a des problèmes dans sa famille, le mari ne fait rien. Mais quand il y a des problèmes dans la famille du mari, il secoue toute la terre. A woman that is complaining that when there is problem in her family, her husband doesn't care about it, but when there is a problem in his family, he shakes all the earth. Il dit pourquoi? She said, why? Tu dis, tu sais, chérie, je t'aime beaucoup. And he said, you know, darling, tu sais, I love you a lot. Il dit, je demande pourquoi? And she said, I ask you. Ta famille est concernée, tu secoues la terre. When your quand family, il y a des problèmes chez moi, comme ma mère maintenant est malade, tu ne dis rien. Why, when there's a trouble and problem in your family, you shake all the earth, and when there is a problem in my family, as my mother is sick, tu dis, you do nothing. Tu dis, écoute, c'est-à-dire, you say, listen. Dans la vie, il y a des priorités. See, in life, tu veux conseiller. There are priorities. Je ne veux pas écouter ça. You want to advise. She said, I don't want to listen to this. J'ai écouté ça pendant 10 ans, 15 ans déjà. Je suis fatigué. I have listened to this all along, 10 years, 15 years. I'm tired. Et la crise continue. And the crisis continues. Des foyers restaurés. Tu veux que ton église soit une église posée avec des hommes et des femmes qui vivent dans l'humilité, dans l'amour, dans la compréhension mutuelle, dans le dialogue. Tu as permis, Seigneur, ces enseignements pour construire des foyers, pour régler des problèmes internes, pour illuminer les foyers. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu connais les besoins de ton peuple et tu n'enseignes pas par hasard. Merci, Seigneur, de visiter les cœurs, de déchirer les cœurs, de briser l'orgueil, de briser, Seigneur, tous les raisonnements dans les foyers. Merci pour ta lumière, pour nous éclairer. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'attitude de questionnement. The attitude of questioning. Qu'on appelle aussi l'attitude d'enquête. That is that we can also call the attitude of investigation. C'est l'attitude qui consiste à poser à l'autre des questions pour lui permettre de parler. It is the attitude that consists in asking to the other questions in order to allow him to speak. L'attitude d'enquête ou l'attitude de questionnement est l'attitude qui consiste à poser à l'autre des questions pour lui permettre de parler. The attitude of questioning or investigation is the attitude that consists in asking questions to the other in order to allow him to speak. C'est donc une attitude qui a pour but de faire parler l'autre. It is an attitude that aims at bringing the other one to speak. La difficulté ici, the difficulty here, c'est que celui qui pose des questions finit par jouir d'un statut spécial. Is that d'un statut privilégié? Is that the one that asks questions finally becomes privileged? Il y a la magie de l'interview. There is magic in interview. Vous voyez un petit journaliste manipuler un président de la République. You quel see, est le budget de la nation, monsieur le président? You see, a little journalist wants to manipulate a president of a republic. Quels sont vos objectifs quinquennaux? What are your? Parce que nous savons que la jeunesse a des préoccupations particulières. Qu'est-ce que vous avez pensé? We know that the youth have particular preoccupations. What are your? Qui devient grand à ce moment-là? And he becomes great at that moment. Donc les gens n'aiment pas ça. Dans une affaire sérieuse là, que quelqu'un qui est lésé, il te pose son problème et puis tu commences à lui poser des questions. In a
People do not like this in a serious attitude. Someone who is not favored comes and show his problem, and then you start asking him questions. They don't like this. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ceci veut dire que quand on veut manipuler, this means that if you want to manipulate, si on réussit à transformer l'autre en répondant aux questions, on a gagné, mais y a pas, la crise va rester. Mais if you succeed in transforming the other into a respondent, that is, he just gives answers to the questions, then the crisis will not be solved. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. Il y a le choix des questions opérées par l'un et des réponses données par l'autre. So there are choices in the questions that are asked by one, and also choices in the answers given by the other. Le choix des questions entraîne une orientation. The choice of questions leads to an orientation. C'est simple à comprendre. C'est-à-dire, moi, je décide que je vais lui demander comment tu t'appelles. So I decide. Donc, that je choisis ma question. I ask him his name. So I choose my questions. Et il commence à me dire son nom. Son problème même n'est pas pris en compte. Mais il commence à se débrouiller pour me dire son nom. Dès qu'il finit, est-ce que tu as vu le pasteur Lombé? So he starts telling. Donc, je choisis les questions dont. Le choix des questions est un choix d'orientation en même temps. So the choices of questions, the choice of questions is a choice of orientation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc la crise ne pourra pas finir. So the crisis will not be finished. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc ça rend le dialogue très superficiel. Vous soulignez ça. It brings the dialogue to be very superficial. Et comme on a dit ailleurs, on ne peut pas interdire les questions, mais ça doit être très bien mesuré. As we said it elsewhere, we cannot forbid questions, but it must be well measured. Ça ne doit pas être dans un effort de réorientation du débat. It must not be in an effort to orient the debate. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez le point final, l'écoute. The final point is listening. C'est la dernière attitude. It's the last attitude. La situation la plus propice à l'expression de l'autre est donc la situation où il se sent, où il ne se sent ni jugé, ni analysé, ni interprété. The situation in which the other one can well express himself, in the situation in which he feels himself, if he does not feel that he is judged, nor analyzed or interpreted, ni guidé par des conseils, nor guided by advice, ni manipulé, ni harcelé par des questions, nor manipulated and harassed by questions. C'est une situation où il se sent écouté. It is a situation in which he feels himself listened to. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il ici, c'est l'autre par rapport à toi. He here, it is the other in regarding you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez que l'écoute est la caractéristique fondamentale de la communication visant l'expression de l'autre. Note that giving here to the other one is the basic, the fundamental characteristic of communication.
L'écoute est la caractéristique fondamentale de la communication visant l'expression de l'autre. Listening is the fundamental characteristic of communication that aims at the expression of the other. On parle donc de l'écoute compréhensive. So we therefore qualify it as the comprehensive listening. On parle de l'écoute compréhensive. We call it comprehensive listening. Il y aura communication partout où les individus créent les conditions pour une bonne écoute. Vous écrivez ça même en rouge. Note that there will be communication everywhere the individuals create the conditions for a good listening. Il y aura communication partout où les individus créent des conditions pour une bonne écoute. There will be communication everywhere individuals create the conditions for a good listening. Où on ne veut pas manipuler l'autre. In which we don't want to manipulate the other. On ne cherche pas à orienter sa compréhension. We don't seek to orient his understanding. On ne mêle pas les sentiments au débat. We don't bring our feelings into the debate. Vous notez ceci, l'attitude de compréhension. Note this, the attitude of understanding. L'attitude de compréhension est l'attitude qui consiste à manifester à l'autre que l'on s'intéresse à ce qu'il dit. The attitude of understanding is the attitude that consists in showing the other that you are interested in what he's saying. Et que l'on l'écoute pour essayer de le comprendre. And that you are listening to him in order to try to understand him. Et qu'on l'écoute pour essayer de le comprendre et non pour le juger. And that you listen to him in order to try to understand him, not to judge him. Cette attitude se manifeste concrètement par la reformulation. This attitude is concretely manifested through reformulation. Interprétation qui consiste à renvoyer à l'autre ce qu'il vient d'exprimer. That is an intervention that consists in sending back to the others what he has just expressed. Tu peux dire que si je comprends bien, you can say that if I understand well, si j'ai bien compris, if I have well understood, tu veux qu'on attende un peu. You want us to wait a bit. Il dit oui. You say yes. Tu lui demandes si est-ce que j'ai bien compris. And you ask him if I have well understood. Quand tu fais cet effort de le comprendre, when you make this effort to understand him, ça crée les conditions de liberté qui font prospérer le dialogue. It creates the condition of freedom that makes the dialogue prosper. Un bon dialogue résout toujours les problèmes. A good dialogue always solves the problems. Les gens ne peuvent rien résoudre dans le silence. People cannot solve any trouble. Le in silence quietness. Est la mort. Quietness is death. Il faut parler. Must speak. Tant qu'on parle, as long as you speak, il y a la vie. There is life. Qui est créée. And that life is created. Au commencement, in the beginning, la terre était informe et vide. The earth was without form. De l'abîme, et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. And the spirit of the Lord was moving above the waters. Et l'Éternel dit. And the Lord said. Que la lumière soit. Let the light be. La parole. The word. Crée. Create. Il faut parler. You must speak. Il faut dialoguer. You must dialogue. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les gens aiment l'attitude compréhensive. People love comprehensive attitude. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Is it what you said? Il peut dire oui, mais seulement que il faut ajouter telle chose. But it can say yes, but just add this thing. Après tu dis. And after he said, pour
comme réponse à ce que tu viens de dire. As an answer to what you have just said. Donc si tu dis ta part, il t'écoute aussi. You also say your part, your portion. Ça peut chauffer même. It can be hot. Il ne faut pas rompre ce discours. You must not break this discourse. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça peut chauffer. It can be hot. Mais quand c'est bien mené, ça dure. When it is well conducted, quand ce n'est pas bien mené, long. 2 minutes, on claque la porte, la crise continue. When it is not well conducted, 2 minutes after the crisis, it continues. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. La reformulation crée la dépendance de celui qui écoute. Reformulation creates the dependency of the one that listens. La compréhension est la seule attitude. Ça c'est. Vous soulignez ça. You underline this. C'est la clé. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit. Dans tout ce qu'on a dit, il y a les clés. In all that we say, there are keys. This is the key. La compréhension est la seule attitude qui permet aux interlocuteurs de mener à bien leur entretien. Comprehension is the only attitude which allows the speakers to lead their exchange, to lead, make it comes to a good conclusion. Car il y a ici, for here there is création d'un climat relationnel, the creation of a climate of relation, qui facilite l'expression, which facilitate expressions. Il y a ici création d'un climat relationnel qui facilite l'expression. Here there is the creation of a climate of relation that makes the relation, the comprehension easy. On parle facilement quand on discerne que la solution arrive ou la vérité est en train de dominer. We easily speak when we discern that the solution is coming or truth is is coming. Si on utilise ces trois armes, if we use these three weapons, l'amour, love, la sagesse d'en haut, the wisdom from above, et la communication, and communication, on peut écraser les crises. We can crush crises. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quels naissent des problèmes de finances ou des problèmes d'éducation, des problèmes d'enfantement? En tout cas, toutes les crises que vous pouvez imaginer, la gestion financière, on peut les maîtriser et les écraser. Any crisis that can be born, whether it is related to education, to money, to financial crisis, etc., it can be crushed, it can be mastered and crushed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si ceci est obéi à et mis en pratique, if this is put into practice, on n'aura pas besoin de facilitateurs ou de médiateurs. We will not need any mediator. Parce qu'il n'y aura pas. Dès que ça naît, on écrase. Because as soon as it is created, we crush it. Si ça continue, if it continues, ça devient une affaire de médiateurs. It becomes a matter of mediators. Vous ne pouvez même plus parler. You cannot even speak. C'est quelqu'un qui doit venir te dire qu'il dit. It is someone who should come and say that. Donc, si tu dis-lui que. And you to say that, tell him that. Ça, c'est gâté même. It is spoiled. Et si ça continue, il faut. C'est-à-dire que quand c'est encore un peu là, c'est les médiateurs. Quand ça continue, les facilitateurs. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui crée un cadre, qui dit j'ai les moyens, bon, je veux organiser un endroit où vous pouvez causer. Parce que là, vous ne voulez même plus vous voir. And when it gets to another level, ça peut être chez un tonton, un ancien.
When it gets to another a higher level, then now it needs facilitator. That is someone who can create a condition in which you can talk. La paix peut régner. Peace can reign. Et la paix doit régner. And peace must reign. Et les époux. And husbands. Parlez beaucoup. Speak a lot. Qui est la parole dans la famille? There must be word in the family. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Parler, causer. Speak. Parler, talk. Causer. Speak and talk. Échanger. Exchange. Abondamment. Abundantly. Rends témoignage de la journée. Parle des fardeaux. Testify parler. About the day. Le diable ne peut pas s'approcher. And talk about your burdens and speak the devil. Téléphone, téléphone. Bonjour, ça va comme tu es où? Give phone calls and morning, how are you? Where are you? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Crée la vie. Create life. Dès que tu vois une insatisfaction, vous vous asseyez, vous causez. As soon as you realize that there is a kind of insatisfaction, then you sit down and you talk. Les gens qui doivent vivre des dizaines d'années ensemble, people who should live many years together, doivent avoir pour arme cruciale la communication. They should have a great weapon, a communication as the great weapon. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous allons nous tenir debout. We are going to stand on our feet. Certaines personnes se disent, moi je ne suis pas marié. Some people tell themselves, I am not married. Et commencent à rêver comment ils vont résoudre les crises. Ça c'est bon. They are dreaming. Tu as déjà gagné. About how they are going to solve the crisis. It's good. Hallelujah. Les jeunes pasteurs, ayez ça comme une arme de travail. Parce que les pasteurs sont des grands médiateurs. Young pastors, you must have this as a weapon. Ils sont, ils le sont déjà. Because pastors are mediators. They don't know it, but they are. Les pasteurs résolvent des crises. Pastors solve crises que même la justice ne peut pas résoudre. That even the court cannot solve. Tous les jours. Every day. Alléluia. Praise the Lord. Si un pasteur dit à quelqu'un pardonne. If a pastor tells someone forgive. Le diable perd la bataille. The devil loses the battle. Donc, disons au Seigneur. Let us tell the Lord. Nous voulons une œuvre. We want a work. Où les foyers. Where households. Sont des sanctuaires. Are sanctuaries. Les familles. Families. Sont des lieux d'adoration, de délivrance, de guérison. Are places of worship, deliverance and healing. S'il y a trois frères, if there are three brethren, l'aîné, the elderly one, est le chef de famille, is the chief of the family. Alléluia. Donc, ne dis pas que je ne suis pas encore marié. Do not say that I'm not married yet. Et pour vivre ensemble, to live together,
vous mettez ces trois conseils en pratique. You put this free advice into practice. Ces conseils sont quand la crise est déjà là. On dit maîtriser les crises et les résoudre. This advice concerns when the crisis is already there. That is, we said you must master the crisis and solve them. C'est différent de comment faire pour être un bon mari ou une bonne épouse. It is different from. C'est un autre dossier. On verra ça plus tard. It's en different. Étudiant les livres que nous avons à cet effet. It's different from how to be a good husband or a good wife. It's quite different, and this is another file. Ce n'est pas comment être un bon faiseur de disciples. Sinon, on allait étudier le livre Faire des disciples. It's not how to become a good disciple maker. Otherwise, we would have studied the book. Making disciples. Ici, c'est que les gens qui sont déjà disciples se frappent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? The question here that is that those who are already disciples are quarreling. So what must we do? Il faut qu'on leur enseigne que Dieu a prévu l'amour pour résoudre ça et la sagesse d'en haut. We must tell them that God has planned love to solve this problem and wisdom from above. Et que ça se fait dans un dialogue sincère, vrai. And that it is done in a sincere and true dialogue. Lève ta main et prions. Raise your hand and let us pray. Seigneur notre Père, Lord, nous voulons des foyers délivrés. We want households that are delivered. Où des crises ont été écrasées. Where crises are crushed. Où les chaque famille devient un sanctuaire. Where the heads of family, the family, each family become a sanctuary. Où tu règnes. Where you reign. 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 Dis Seigneur. Say Lord. Certainement que tous n'ont pas compris. Surely all have not understood. Oh Saint-Esprit. Oh Holy Spirit. Introduis ces vérités dans les cœurs. Introduce this truth in the hearts. Et produis la vie. And produce life. Produis la vie. Produce life. Réconcilie. Reconcile. Qu'il y ait la paix dans l'église. Let there be peace in the church. Qu'il y ait des réconciliations coûteuses. Let there be reconciliation. Que tous les démons qui fêtaient déjà soient enchaînés. Let all the demons be in chains. Et qu'ils soient précipités dans les abîmes. And crash into que the chaque famille abyss. Soit délivrée. Let each family be delivered. Soit délivrée. Delivered. Soit délivrée. Delivered. Et tu peux étudier le livre Un mariage réussi, chef-d'œuvre de la femme, chef-d'œuvre du mari, pour voir comment tu dois être un bon mari. And you can study the book. Succeeded with marriage. Pour la suite. The masterpiece of the man and the masterpiece of the woman. Est-ce que nous sommes ensemble? To see how to become a good husband or wife.